Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. En ce matin, je veux te saluer dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Maître Jésus. En ce matin, je veux déclarer que ta paix, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute connaissance, habite dans ton cœur. Que la paix de notre Seigneur Jésus, qui surpasse de toute connaissance, habite dans ton foyer. Que cette paix habite dans ton lieu de travail. Que cette paix habite dans tes entreprises. Que cette paix t'envahisse. Parce que c'est la seule vertu qui peut nous garantir le progrès. Sans la paix, tu ne peux pas aller loin, bien-aimé de Dieu. Voilà pourquoi en ce matin, laisse-moi te souhaiter la paix. Laisse-moi te donner la paix de Jésus. Il dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne le fais pas à la manière du monde, mais je veux que votre paix soit parfaite. Alors tu dois demeurer dans la paix, bien-aimé de Dieu, car c'est ton partage. Ne laisse aucune autre idée t'envahir. La paix est ton partage. La paix est ton partage. Parce que le châtiment même qui te donne cette paix est tombé sur Jésus, le déclare la parole. Bien-aimé de Dieu, en ce matin, l'Église Notre Mère nous parle des exploits de notre Dieu. Dieu a tellement fait de grandes choses dans nos vies. Mais souvent, il nous arrive d'oublier ses exploits. Peut-être par les moments d'épreuve que nous traversons, il nous arrive d'oublier les exploits de Dieu dans nos vies. Alors, en ce matin, nous voulons vraiment nous rappeler de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Depuis que nous sommes nés, jusqu'à ce jour, il n'a cessé de faire de grandes choses. Il n'a cessé de faire de grandes choses dans nos vies. Il n'a cessé de faire de grandes choses. Chaque jour de notre vie est une merveille. Chaque jour de notre vie est une merveille. Parce qu'il a aimé tes pères et qu'il a choisi leur descendance, en personne, il t'a fait sortir d'Égypte par sa grande force, pour chasser devant toi des nations plus grandes et plus puissantes. Mon frère, ma sœur, rappelle-toi de ce que le Seigneur a fait pour toi, de ce qu'il est en train de faire pour toi en ce moment. Car il est Dieu, il est puissant. Il est glorieux, il est magnifique. Il ne fait que de bonnes choses dans ma vie. Voilà pourquoi avec toi en ce matin, je veux chanter les exploits de mon Seigneur et mon Dieu. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les exploits de Papa Yahweh briller sur le toit de ma maison, mon âme bénis le Seigneur. Oui, quand je vois les victoires de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénis le Seigneur. Nous pouvons le dire ensemble. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur.
bénit son Créateur. Mon âme bénit le Dieu des exploits. Mon âme bénit l'Éternel. Le psalmiste nous parle en ces termes en ce jour. Je me souviens des exploits du Seigneur. Je rappelle ta merveille de jadis. Je me redis, tout est au fait. Sur tes exploits, je médite. Dieu, la sainteté est ton chemin. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui accomplit la merveille, qui fait connaître chez les peuples ta force. Tu rachetas ton peuple avec puissance, les descendants de Jacob et de Joseph. Tu as conduit comme un troupeau ton peuple par la main de Moïse et d'Aaron. Sois loué, Éternel des armées, sois exalté, sois honoré, sois magnifié, sois acclamé de ce que chaque jour de nos vies, tu ne cesses de faire de grandes choses. Que nous le voyons ou pas, c'est ce qui se passe, Papa. Tu nous aimes tellement, Père, que tu ne passes pas une journée sans pour autant faire une merveille dans nos vies. Ô Père, qu'est-ce que nous pouvons te donner en retour, sinon nos vies, te consacrer nos corps, nos âmes et nos esprits pour ton service, et continuer chaque jour à te louer, à t'exalter, à t'adorer, à te célébrer, parce que nous n'avons rien d'autre, mais nos cœurs sont à toi. Quand je vois les exploits de Yahweh Sabaoth briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je me rappelle de la guérison que m'a accordé Jésus, je suis dans la joie et mon cœur déborde d'allégresse. Voilà pourquoi mon âme bénit mon Seigneur. Quand je me rappelle du travail que m'a donné mon Dieu, mon cœur est dans la joie et je déborde d'allégresse. Voilà pourquoi mon âme bénit Jésus-Christ. Quand je me rappelle que le Seigneur m'a donné un enfant, je ne peux que le remercier. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je me rappelle que ma joie vient du Seigneur, mon cœur est constamment dans la paix. Mon âme bénit le Seigneur. Bien-aimé de Dieu, en aucun cas n'oublie les exploits du Seigneur dans ta vie. N'oublie jamais les exploits du Seigneur dans ta vie. Même si en ce moment tu es en train de passer des épreuves, rappelle-toi de ce que le Seigneur a fait pour toi. Ainsi tu vas aller vivre dans la joie parce que tu sais qu'il est capable de tout. N'oublions jamais les bontés de notre Seigneur dans nos vies. Demeurons dans l'action de grâce. Que l'action de grâce soit ton partage dans cette journée. Remercie le Seigneur à temps et à contre-temps, parce qu'il est Dieu et il est bon en tout temps. Qu'il nous bénisse, qu'il nous garde en cette journée. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint.